Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, dimanche 26 février 2017, je vais pas parler de Linux, je vais parler d'un logiciel libre cette fois-ci, que j'utilise régulièrement, que certains ont déjà vu ici, Redshift Control, et qui voudrait savoir à quoi ça sert. Et pour moi, c'est un logiciel indispensable, c'est pour ça que je vais vous le présenter. Donc Redshift, c'est un logiciel libre qui ajuste la température de couleur d'un écran d'ordinateur en fonction du moment de la journée. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous utilisez l'ordinateur le soir, enfin, ça se voit notamment le soir, plus ça va dans la soirée, plus la lumière autour de vous diminue, mais la lumière de l'écran ne diminue jamais. Donc c'est à vous de baisser manuellement la luminosité de l'écran, mais il faut le faire manuellement. Ou il est aussi, vous avez peut-être vu sur Internet, que la lumière, alors je sais plus si c'est la lumière rouge ou bleue, elle est très agressive et empêche après le soir de dormir correctement, ça nous énerve. Donc en fait, voilà, ça c'est le site Redshift, dans Redshift. Donc Redshift, il est compatible Linux, bien sûr, puisque le code source est disponible, et Windows apparemment en manière expérimentale. Sinon sur Windows, vous avez le logiciel f.lux. Voilà, donc ça c'est le logiciel Redshift, donc il est disponible dans la plupart des distributions Linux. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Vous voyez ici, il y a des fichiers de config, mais on va pas trop les toucher. Je vais aller juste sur pkgs.org. C'était pas là qu'il fallait que je les mette, c'était plutôt là. Voilà. On va chercher Redshift. Et vous allez voir en fait qu'il est disponible dans pas mal de distributions Linux, hein, Alt Linux, Arch Linux, même CentOS dans les dépôts Eupel, Debian, Fedora, Mint, OpenMandriva, OpenSUSE, PC Linux OS, Rosa, Ubuntu, Slackware. Et donc je vous montre aussi qu'il est disponible sur ma distribution favorite, Calculate Linux. Voilà, Redshift. Ici. Et il existe un applet Plasma. Donc pour Plasma 5, Plasma Applet Redshift Control, qui est assez sympathique puisque c'est celui que vous voyez. Alors je réduis ça, c'est celui que vous voyez ici. Donc pour l'ajouter, une fois qu'il est installé, vous déverrouillez les composants graphiques. On ajoute les composants graphiques, on tape Redshift, hop, il est là, et on l'ajoute au tableau de bord. Donc moi, je l'ai ajouté ici. Merde. Ce que je voulais faire, je voulais verrouiller les composants graphiques, pas l'écran. Voilà, donc ici vous faites clic droit, paramètres Redshift Control. Et donc je vais tenter un truc. Ça marche pas, ok, c'est pas grave. Donc voilà, ici on a le panneau de contrôle de Redshift. Je sais plus comment on fait un zoom, c'est pas grave. Donc, auto-start, c'est pour le démarrer automatiquement au démarrage de KDE. Smooth transition, je ne l'utilise pas. Bon, ici, ça doit être les options par défaut. Ce qui est intéressant, c'est dans Advanced. Donc, ici, dans Advanced, vous pouvez cliquer sur Locate pour mettre vos localisations, notamment vos coordonnées GPS. Donc, moi, c'est quelque chose qui est vraiment plus ou moins ça. Mais bon, vous pouvez prendre vos coordonnées GPS, GPS Dijon, par exemple. Voilà, coordonnées. Voilà, on devrait les trouver quelque part par là. Voilà. Donc ici, on peut mettre ces coordonnées. Donc 47.31, grosso modo, hein, et 5.01. Voilà. Ici, vous avez la température de l'écran. Donc la température de l'écran, c'est jour et nuit. Moi, j'ai laissé les options par défaut. Donc la température, ça va être le contraste rouge-bleu. Donc je vais monter la vidéo là, je vais vous montrer avec ma caméra, filmer mon écran pour que vous voyez bien la différence entre quand c'est activé et quand c'est pas activé. Donc là, moi je laisse le mode auto, tout simplement. Ici, vous pouvez la nuit baisser la luminosité de l'écran. Donc moi, je ne baisse pas la luminosité de l'écran la nuit. Les températures, ça suffit. Donc là, je laisse 6500 à 4000.
Donc j'applique les paramètres. Donc là, il y a eu un petit coup où ça s'est activé, désactivé. Je ne pense pas que vous le voyez sur la vidéo. Hop, voilà. Et donc ce que je vais faire, je vais lancer un LibreOffice Writer parce que c'est là qu'on verra vraiment le mieux avec des contrastes de blanc au niveau de l'écran. Donc ce que je fais, j'arrête la vidéo ici et je continue avec la caméra pour que vous voyez mon écran. Voilà, donc cette fois-ci, on est avec la caméra où vous voyez toujours mon écran d'ordinateur. Donc vous voyez ici, c'est mon ordinateur mon ordinateur portable. Et à côté, j'ai le deuxième écran dont je dispose. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai ouvert LibreOffice Writer, ce que j'ai fait juste avant de changer de caméra. Et donc, je vous montre ici, vous voyez, on a... si tu pouvais me faire la netteté, ma petite. Voilà, Redshift Control, ici. Donc, il est activé. Et donc, vous voyez que là, en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est, mon écran avec les effets Redshift. Et ici, donc, je vais cliquer pour juste désactiver Redshift. C'est-à-dire que c'est l'écran tel qu'il est si je n'avais pas le logiciel. Alors, j'espère que ça va bien rendre sur la caméra, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la différence. Je vais vous ouvrir ça. Donc voilà, là c'est sans Redshift. Donc l'écran, les tons sont un peu plus bleus. Et avec Redshift, hop, j'active. Vous voyez, on a un peu plus de teinte rouge et un peu moins de teinte bleue qui sont agressives à l'œil. Et alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que là, on a le tour est assez sombre. Mais vous voyez qu'en fait, avec Redshift, c'est quand même beaucoup plus reposant et beaucoup moins arrache-œil que sans. Vous voyez ? Sans, avec. Sans, avec. Et bien sûr, Redshift, alors je vous montre avec un LibreOffice Writer parce que c'est là qu'on a vraiment des tons blancs, des tons assez agressifs. Mais vous voyez, je vous montre les deux écrans, qu'en fait, ça marche aussi bien sur l'un que sur l'autre. Voilà, sans Redshift. Avec Redshift. Et donc, ce petit ton de couleur rougeâtre atténue les tons bleus et du coup, c'est beaucoup plus reposant pour les yeux. Et bien sûr, si vous faites de la retouche photo, si vous travaillez des photos, par exemple là, imaginez mon fond d'écran feu d'artifice, imaginez que c'est une photo que vous retouchez, si vous voulez voir vraiment les vraies couleurs, le temps de faire une retouche, ou si vous faites du montage vidéo puis que vous voulez vraiment voir ce que ça rendra à l'écran, eh bien, vous pouvez le désactiver hop, voilà, à la demande ici et le réactiver. Voilà. Vous pouvez avec la molette de la souris, donc là voilà, je fais avec la molette de souris, alors vous voyez pas, hop, je vais relancer Writer, voilà, histoire de voir. Mais en fait, en vous mettant sur la molette de la souris, vous mettez en pause, voilà, donc là j'exagère, hein. Et en fait, avec un petit coup de molette de la souris sur l'icône, voilà, vous modifiez. Donc là, je vous montre. On modifie la température. Hop là. Voilà. Donc je modifie. Voilà. Je descends. Donc vous voyez, ça devient beaucoup plus rouge. Et je peux monter. Voilà. Et en montant, vous voyez. Hop. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez ajuster voilà, une température, ou si vous voulez tester les paramètres pour ce qui vous convient le mieux le soir, eh bien, vous pouvez ici, hop, voilà, vous dire, ah bah tiens, ça c'est pas mal, hop, je relève la température, 31,25, et donc dans les paramètres de Redshift, comme je vous ai montré tout à l'heure, eh bien là, vous pouvez être vos 31,25. C'est là que vous allez pouvoir tester vos réglages. Voilà, donc, et après vous pouvez cliquer bien sûr dessus, hop là, pour le désactiver, l'activer avec le réglage que vous avez fait, ou ici avec la molette de la souris, on voit bien que le petit logo se met en pause. Voilà, comme quoi on a modifié temporairement le paramétrage. Voilà, donc hop hop, je remets ça en route. Donc j'espère que cette vidéo sur l'outil Redshift vous a plu. Donc Redshift, voilà, je vous remontre ici le site de Redshift. Donc hop là, voilà. Redshift, c'est cette icône là, voilà. Et donc disponible sous Windows. Alors Windows, pas très stable. Linux.
Et sinon, voilà, sous Windows, vous pouvez utiliser Flux, qui est globalement la même chose. Il est disponible Flux aussi sous Linux, mais vous n'avez pas ce petit applet de paramétrage sous KDE. Donc ça, c'est vraiment bien parce que ça intègre correctement le logiciel dans l'environnement de travail de KDE. Voilà. Donc c'est vraiment un gros plus. Ça permet d'utiliser Redshift comme il faut et ça fait vraiment plaisir. Tout est intégré dans l'environnement de bureau. C'est voilà, tout se lance automatiquement. C'est pour ça que effectivement, je trouve Redshift sympa. C'est non seulement le concept de logiciel où on se rend compte que finalement, au niveau des yeux et de la vue le soir, c'est vraiment reposant. Et en plus, c'est intégré parfaitement à KDE. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!